Savez-vous qu'aujourd'hui, seulement 50% des jeunes autistes sont repérés par les établissements éducatifs comme l'éducation nationale ou les établissements spécialisés? Où sont les autres? De plus, ce constat, il est le même pour les autres catégories de handicap, mais aussi pour les décrocheurs scolaires. Que font-ils? Enfin, très peu de formations d'insertion sont accessibles à tous, ils prennent en compte les spécificités de chacun, ou même donnent des métiers qui ont du sens. La preuve, beaucoup de formations d'insertion actuellement ne trouvent plus de candidats, malgré énormément de jobs dans les entreprises. Sur ces constats, Creative Handicap a été créé en 2004 à Nanterre, à côté de Paris, pour accompagner l'inclusion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap, mais aussi les décrocheurs scolaires, au travers de l'enseignement des pratiques artistiques. Petit moment chat, c'est Louise, notre médiatrice animale, qui fait certainement beaucoup plus pour l'acquisition des connaissances que l'ensemble de l'équipe. Alors après des années, l'association a progressivement intégré les outils numériques et pour proposer aujourd'hui la formation Kiara. Qu'est-ce que c'est que la formation Kiara? C'est la première école gratuite à destination des personnes en situation de handicap et décrocheurs scolaires sur les métiers de la création numérique. Les jeunes vont s'orienter vers les métiers du jeu vidéo, du serious game ou du design 2D, 3D. Alors pourquoi cette formation? Eh bien parce que tous les jeunes avec des gros potentiels créatifs que nous avions orientés par le passé vers des établissements publics ou même privés ont tous été rejetés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de formation adaptée à leurs besoins. Alors pourquoi gratuit? Parce que dans le privé, c'est soit très cher, ou soit, comme je viens de le dire, non accessible pour les personnes en difficulté. Alors bien sûr, vous allez me demander comment on le finance. Eh bien, on le finance par un montage financier entre le public et le privé, et notamment la Banque des Territoires. On les remercie pour ça. On a construit donc des outils pédagogiques en accessibilité universelle qui décortiquent les procédures d'apprentissage et qui prend justement en compte le rythme d'acquisition des compétences de chacun, de l'apprenant. Qu'est-ce que c'est que l'accessibilité universelle? C'est des tutos vocalisés, c'est des fiches en FALC, faciles à lire et à comprendre, avec des gros caractères, et c'est l'hybridation de la formation en présentiel et en distanciel pour s'adapter à toutes les mobilités, et grâce au numérique, on peut le faire. Alors, comment se passe la formation? Elle est en 2 ans, avec aujourd'hui une troisième année en expérimentation. La première, c'est un tronc commun de prise en main des différents logiciels de création numérique. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, Unity, Blender, la suite Adobe. Mais on ne fait pas de code. On laisse ça à Simplon. Ils sont très forts pour ça. D'ailleurs, on pourrait travailler avec eux. On a ensuite une deuxième année de spécialisation, soit vers la création 2D, 3D, soit vers la technologie, donc la programmation visuelle, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Enfin, j'ai parlé de cette troisième année. C'est la troisième année d'immersion dans le monde professionnel, car nous avons beaucoup de partenaires entreprises autour de la création numérique, donc les organismes de formation qui font des serious games, des studios de jeux vidéo ou même des agences de communication. Petit flash info, on aimerait essaimer la formation partout sur le territoire. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est à Nanterre, mais on a une liste d'attente longue comme le bras. Donc, avis aux amateurs, si vous souhaitez porter cette formation à Lyon, à Marseille, etc., venez nous voir. Alors, maintenant qu'on a formé tous ces jeunes, il faut qu'ils rentrent sur le marché du travail. Mais malgré notre accompagnement à l'issue de la formation, on est bien loin du plein emploi pour les personnes avec des besoins spécifiques. Nous avons donc décidé de monter une entreprise pour faire travailler nos apprenants et démontrer leur talent mis de côté. Donc on propose des prestations, je l'ai dit, aux organismes de formation pour réaliser des serious games, pour dézinguer, des studios de jeux vidéo pour justement faire de la production
de jeux vidéo en soutien, en support de ces studios, et puis les entreprises aussi dans le cadre de leur formation, des Serious Games notamment. Enfin, on a voulu mettre en lumière leurs compétences au travers de différents projets, donc en particulier le développement de jeux vidéo éducatifs et Serious Games, sur des thématiques d'intérêt général, comme celui de l'éducation à la vie intime et sexuelle. C'est notre plateforme digitale qu'on appelle Sous les draps, qui utilise tous les outils de la création numérique, comme la modélisation 3D, l'impression 3D anatomique pour le toucher, les Serious Games, on en a parlé, les applications web, de tout support numérique, ordinateur, tablette, smartphone, etc. On a reçu quelques prix et on espère pouvoir développer cette plateforme et la mettre à disposition de l'éducation nationale. On a entendu notre ministre il y a quelques jours dire que c'était une problématique qu'il voulait prendre en main. Et ben, on l'espère. Maintenant, on a tous les supports numériques pour pouvoir développer n'importe quel type de jeu éducatif d'intérêt général, comme l'éducation civique et politique, l'éducation santé, la transition écologique, etc. Merci beaucoup. Merci.